Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos des ressources pack sur Minecraft en 1.8. Car les ressources pack en 1.8 sont très spéciaux. Oui, ils sont très spéciaux. Nous pouvons faire des texture pack en 3D. Donc, regardez par exemple la canne à sucre. Vous voyez, on voit bien, il y a bien des tiges, etc. Parce que regardez, si je mets pas, si j'enlève par exemple le texture pack, que je mets celui normal. Oui, je me suis basé sur le Faithful 32 de Hypier, car j'aime bien ce texture pack. Maintenant, faut qu'il s'ouvre. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix cassée. Vous voyez, c'est juste une espèce de croix toute moche. Je trouve ça super moche. Les rails, elles sont toutes plates. Les échelles sont toutes plates aussi. Les trappes, ça fait un espèce de semblant de 3D dégueulasse. Voilà. Donc, moi, je me suis amusé à faire ça. Donc, je vais vous montrer comment le faire tout de suite. Je remets juste le texture pack. Vous voyez bien les briques, elles sont bien 3D. Par contre, je sais pas pourquoi ça fait un espèce de. Ça fait des espèces d'ombre un petit peu dégueulasse quand même. J'en se le dise. Vous voyez, on peut faire le fil de la TNT. Là, elles sont vraiment 3D. Les échelles, elles sont plus toutes plates. Les rails non plus. Et puis même si vous les pétez, vous gardez quand même la texture. Par contre là, je me suis foiré quand j'ai fait mon truc. Par contre, j'ai oublié de garder les particules. Vous voyez, on voit bien les petits cactus. Là, on voit bien la corne. Sinon, je vais vous montrer un autre texture pack où il y a vraiment beaucoup de choses en 3D. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'essaie de retrouver le lien de téléchargement pour celui-là. Donc, vous voyez, regardez, je vais vous montrer quelques blocs. Hop, hop, ça. Il a fait les portes aussi. Les jetbox. Les échelles, elles sont buggées, très bien. Vous voyez, ça, c'est bien. Les trappes sont bien faites. Oh, son levier, il est stylé. Oh, son levier, il est stylé. Oh, il est grave stylé de ouf. J'aime bien aussi ces TNT, c'est marrant. Mais par contre, l'orientation est un peu buggy, mais bon, ça c'est pas grave. Il y a les delay sensors aussi. Les trolls, les pressure plates. Oh, les jukebox aussi, je les trouve super swag. C'est vraiment un bon 3D et tout. Les portes aussi, il a fait. Super sympa. Les portillons. Les portillons qui vont super bien avec les barrières. Si je prends les barrières. Vous voyez, super. Ça fait super avec les barrières. On va juste monter un petit peu le pixel là, mais bon. C'est pas grave. Il a fait aussi les torches que je trouve quand même pas mal bien faites. Oui, on voit vraiment que c'est bien des torches. Et puis contre les blocs aussi. C'est très bien fait. Voilà, donc je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, hein. C'est fait exprès. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Peut-être pas forcément avec les trucs en billets là par contre. Vous voyez, c'est super bien fait quand même. Voilà. Les bibliothèques, il a fait beaucoup de trucs sur ce texture pack, il est pas fini. Mais il a quand même fait beaucoup de trucs. Il a quand même texturé pas mal de blocs. Vous voyez, on voit bien la torche au milieu. Les gros poteaux là. Ça, ils sont vraiment bien faits. Ça ferait vraiment des gros poteaux. Avec les bibliothèques. Il y en a qui sont vides et tout. Voilà. Donc, je fais une petite ellipse et je lance le logiciel pour faire ça. Et je vais vous montrer comment l'installer aussi après. A tout de suite. Donc, me revoilà. Donc,
Je vais vous montrer comment le télécharger. Normalement, dans la description, vous aurez un lien Mediafire. Vous cliquez dessus, vous allez obtenir un dossier zip. Vous le dézippez dans un nouveau dossier. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous allez ouvrir le dossier. Hop. Donc, modèle créateur. Et là, vous allez avoir plein de trucs comme ça. Je vais faire c'est quoi ce bordel? Moi, si je l'ai téléchargé, j'ai fait c'est quoi ce bordel? Donc, vous allez tout en bas du fichier. Moi, je l'ai mis directement. J'ai fait un raccourci sur mon bureau, ça va plus vite, mais on s'en fout. Donc, vous ouvrez modèle créateur. Ou la première fois, il est un petit peu long à se lancer, c'est normal. Voilà, donc après vous pouvez fermer ça. Vous obtenez une page comme ça. Alors, il va falloir ouvrir d'autres petites pages aussi. Donc vous allez cliquer sur View, Dialogue, Texture Manager, UV Editor et Face Data Setting. Donc ça va être pour mettre toutes les textures sur les blocs, etc. Et donc, on met bien tout ça, hop. Je vais dire à quoi sert chaque petit truc. Alors, hop, on met ça bien. Faut pas que ça bouffe sur l'autre écran, sinon vous verrez pas. Hop, voilà. Donc, la grande fenêtre, c'est là où vous dessinerez vos. C'est là où vous dessinerez vos. Comment ça s'appelle? Vos modèles. Parce que ça s'appelle des modèles. Le texture manager, c'est là où vous allez rentrer les textures pour les blocs. Donc je vais vous montrer après. Ici, c'est par exemple ici, si vous mettez plusieurs trucs de texture, ici c'est pour choisir la texture, si vous voulez inverser, etc. Et ici, il y aura l'image de la texture et ça vous montrera comment ça s'appelle? Ça vous montrera la texture pour sélectionner l'endroit que vous voulez. Donc, je vais tout d'abord ouvrir mon ressource pack. On va voir un bloc qui serait rapide à faire. Hop, texture, bloc. Un bloc qui serait rapide à faire. Popopo. Un petit bloc rapide. Petit bloc rapide, un petit bloc rapide. Je cherche ça. Je cherche. Allez, tiens, on va faire les rails là, les power et rails machin truc là. Donc, j'ai laissé ça là. Donc, une fois que vous avez ça, ici vous mettez le nom que vous voulez de votre texture. Donc, moi je vais mettre Ray Golden, comme ils appellent ça. Ici c'est là où va aller chercher la texture. Donc, lui il est directement ici dans l'onglet texture. Donc, lui il va aller chercher dans. Hop, il va aller chercher dans Blocks. Blocks. Et après, il va aller chercher la texture qui est le Ray Golden. Voilà, tout simplement. Et là, faut mettre où est la texture. Donc, soit vous cliquez là-dessus et vous trouvez dans vos dossiers, ce que moi je trouve chiant. Ouais, très bien. Mais ce que je sais, c'est que je vais directement dans le truc. Je clique. Vous voyez, je clique ici. Et directement tout. Je contrôle C. Je contrôle V ici. Attendez, je vais mettre sur l'autre écran. Hop. Je vais mettre ça là, juste 2 secondes. Donc, vous cliquez ici. Vous mettez un slash à l'envers. Donc, vous appuyez sur la touche Alt-GR et la touche 8 en haut de votre clavier. Ça va faire un slash à l'envers. Et là, vous mettez le nom de la texture. Donc, Rail Golden. Il faut pas oublier le point PNG. Le point PNG, c'est très important, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc déjà la texture est faite. Mais si vous faites ça,
Ça va faire comme moi, mes rails, là. Ça va faire des par... Quand vous allez le casser, ça va faire des particules violettes et noires, comme ça, là. Donc, pour paquer ça, ici, vous allez mettre particules. C'est très important de l'appeler comme ça. Ici, vous allez remettre comme en haut, bloc slash rail golden. Hop. Et voilà. Aussi simple que ça. Donc, je vais juste ouvrir l'image, hop. J'essaie de pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Vous voyez, il y a l'image qui est là. Donc moi je vais la mettre là, hop. D'accord, on peut pas rétrécir plus. Pas rétrécir plus. Moi je vais mettre sur l'autre écran, c'est pas grave. C'est juste une image. Donc oui, autre chose. Soit vous avez un texture pack 16x16, dans ce cas-là, vous laissez comme ça. Mais si vous avez un 32x32, vous allez sur View, Grade, super accent, tu vois, au calme et tout. Vous allez sur Grade Size et vous allez vous mettez au 0,25. Et c'est du 32x32 normalement. Ou attendez. Non, le 32x32, c'est 0,5. Parce que sinon, ça c'est le 60, ça c'est le 64 et soit c'est 128, je crois. Très comme ça. Donc, soit. Voilà. Donc, tout est prêt. Moi, je suis avec un texture pack en 32x32. Donc, je vais mettre comme ça. Mais ça change rien. Donc, pour créer des blocs, vous allez me dire comment on fait. Alors, soit vous allez dans Edit. Et vous, à chaque fois que vous voulez créer un nouveau bloc, vous amusez un New Element ou supprimer, etc. Donc moi ce que je fais pas, c'est que je me mets là, j'appuie sur la touche N et boum. Ça vous crée un carré. Merde. CTRL Z pour annuler ce que vous venez de faire. Vous voyez, ça vous crée un bloc comme ça, c'est juste des traits. Le blanc, c'est le bloc de base et le noir, c'est votre bloc à vous. Donc vous allez cliquer sur le coin ici, vous allez réduire. Et vous voyez, celle-là au-dessus, c'est vue de dessus. Donc ça, c'est vue de dessous. Ça c'est vu de gauche et ça c'est vu de face. Donc vous voyez, alors soit vous modifiez avec les petits coins ici, soit vous poussez comme ça. Moi je préfère entre vous et moi, je préfère avec les petits coins. Donc pour créer, moi je veux une raille, donc je vais mettre ça. On va mettre ça, prend tout le bloc comme ça. Oui, mais moi je veux pas que ça soit. Oh merde, je me suis foiré. Je veux que ça fasse 2 pixels de haut. Et je veux que ça fasse 2 pixels de haut. Donc ici ça fait 1, 2, 2 pixels. Mais putain, faut pas chier. Hop. Et ici, je vais. Non, ça c'est la hauteur. Non, c'est. Voilà, c'est ici en fait. Ici, hop, vous prenez. Et vous mettez comme ça à deux. Et hop, ça va vous faire un truc. Mais non, c'est de la merde, en fait. On va mettre 4. Je sais plus comment j'avais fait pour l'autre. Moi, je crois que j'ai mis 4. Et en hauteur, je crois que j'ai mis. Je sais plus, en fait. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Donc, là, vous avez votre. Oh, c'est bizarre. Oh, putain. Voilà. Donc là, vous avez déjà. Ah non, attendez. Faut que ça fasse 3 pixels. Sur mon image, c'est marqué 3 pixels. Alors tu respectes, ok. Ici, c'est décalé de 2. Donc déjà, regardez, on a fait déjà cette partie-là, là. La bande orange, la bande grise foncée et la bande claire. On a laissé 2 pixels ici pour ça. Hop. Donc maintenant, on va appliquer la texture. Donc vous allez cliquer sur la face, vous allez appuyer sur la touche T. Ici, regardez, quand on n'appuie pas sur T, ici c'est tout grisé, on peut rien faire. Quand vous appuyez sur T, c'est-à-dire que ça ajoute la texture. Donc comme je vais vous montrer, regardez, ça, vous cliquez sur la petite flèche, et là il y a particules. Donc particules, ça sert à rien, donc vous cliquez sur Ray Gold. Ici, comme je vous avais dit, ça met la texture. Donc, hop. Vous prenez l'endroit de la texture que vous voulez.
vous étirez si besoin, et voilà. Ça fait votre texture. Mais c'est dégueulasse en fait. Donc ici il faut re... Oh, merde, non, c'est pas ce coup, c'est pas celui-là. Donc ici on va tourner la texture. Mais sinon en fait il suffit de prendre celle-là en fait. Je suis con. Voilà. Donc si on zoome, vous voyez bien la texture. Hop. Après, vous faites pareil pour toutes les faces. Hop. Ici, moi j'aime bien prendre hop comme ça. Merde. De toute façon, ici ça se voit pas, donc en soi on s'en fout. Mais c'est pas grave, je préfère le faire quand même. Hop, hop, hop. Donc on met tout bien la texture comme il faut. Hop. Ici, je veux juste que ça soit couleur métal, juste métal comme ça, clair. Donc je mets juste un métal clair comme ça, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Hop, d'accord, très bien. En fait, je suis en train de me rendre compte que je suis con. En fait, le truc, c'est que comme c'est une texture à l'horizontale, je vais pas prendre un truc vertical. Donc en fait, on va juste prendre un truc comme ça, hop. Et voilà. C'est de la merde. Clairement, entre nous, ce truc, c'est de la merde. Hop. Voilà, on va juste prendre comme ça. On s'en fout. C'est juste pour le tutoriel. Hop, comme ça. Hop. Voilà, parfait. Donc, en dessous, on va le faire aussi quand même. Quand même. Hop. Et hop. Donc, vous avez la flemme de retexturer tout parce que c'est un peu long, etc. C'est chiant, je vous l'accorde. Donc, tout simplement, vous allez sélectionner ça. Vous allez faire CTRL-C et CTRL-V. Donc, il va apparaître la copie. Donc ici, vous allez zoomer un peu, hop, et vous allez le placer où vous le souhaitez. Du coup, par contre, ici, faut changer les textures. Juste changer la place de la texture comme ça. Ici, on change la place de la texture. Hop. Hop. Et voilà. Je vais changer la place de la texture. Hop. Ici, on va prendre ici. Voilà. Voilà. Donc, on a déjà nos deux rails ici. Donc, maintenant, on va faire les barres là. Donc, on appuie sur N. Hop, on sélectionne. Hop, je veux que ça fasse genre 1, 2. Mettre deux quand même. Hop, ici on va rétrécir. Ici ça fait c'est combien que ça fait de pixels là? 1, 2. Ça fait 2 pixels de haut. Hop. On met bien là. On met bien là. Et ici c'est à 2 pixels. Hop. Ça. Donc là on a notre barre. Très bien, très bien. Ici, on texture. Hop, Ray Golden. Hop. Hop. Hop, on prend bien. Là, ça, comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça fait un truc comme ça. Et après, quand il y aura la bande du milieu, ça sera mieux. Donc ça, hop, on prend ça. Donc la vidéo était déjà 20 minutes. Donc je vais pas faire mon enfoiré, je vais pas vous couper la vidéo ici bien sûr. Je vais juste faire la petite ellipse. Je copie les barreaux et puis on se retrouve un peu plus tard quand j'ai un petit peu plus avancé. Parce que sinon la vidéo elle va faire 3 plombes. À toute allure. Et donc j'ai fait les rails. J'ai modifié ici, j'ai juste mis couleur métal. En dessous aussi, mais comme il y a ça qui superpose, c'est pas grave, on s'en fout. En dessous, c'est un bloc, on voit pas. Donc j'ai déjà fait ça, donc maintenant on va faire
La bande qui est au milieu, la bande rouge là. Hop, donc tapiloum. Excusez-moi. Donc on va ajouter un nouveau bloc. Pour zoomer, c'est pas compliqué, je pense que vous avez compris, vous zoomez avec la molette, hein, clairement. Vous êtes pas si con. Vous êtes pas si con. Donc je vais faire carrément juste un pixel de haut pour ça. Hop. Attendez, alors 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Donc on va l'élargir comme ça. On s'en fout. Par contre, un conseil que je vous donne, évitez de superposer les textures quand on voit pas ici. Mais par exemple ici, évitez de superposer les textures. Parce que après ça fait des mélanges de textures, ça fait un truc, ça rend un truc horrible. Ça, le truc, ça fait clignotant de textures chelou, hein, c'est bizarre. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc ici, on a ça. Hop, on va texturer ça. On va texturer ça tout de suite là, hop. Ce qui est bien, c'est que on a juste à en texturer un seul. Et puis après, on a juste à copier-coller. Donc c'est plutôt cool. Hop. Hop. Et ben, ok, très bien. Ok, très bien. On fait un truc tout rouge comme ça. Non, mince, hop. Hop. Là, hop, voilà. Donc ici c'est tout texturé, c'est tout beau, c'est tout propre. Oh merde, j'ai fait exprès, mais on fait genre, tu vois, chut, faut pas lire. Vous avez par exemple, mis un bloc de trop. Vous avez le menu cut là, mais c'est relou. Ou delete, select, élément. Ouais, très bien. En fait. Vous faites CTRL X et ça supprime. Ça va beaucoup plus vite. Donc ici, CTRL C, CTRL V. Ici, hop. J'ai dit, tu te fous là. Tu fais pas chier. Hop, on remet. Et voilà. Et voilà ma belle raille. Mais je pense que. Si on est là, j'ai un par là. Et un par là. Un par là. Et un par là. Un par là. Et un par là. Mais non! Mais merde. Donc là, hop, j'ai fait une mauvaise manip. Hop, CTRL Z et ça remet à zéro. Voilà, ma belle raille. Je trouve que ça est un petit peu trop maigre. À mon goût. Mais en fait, le truc, c'est que je vais modifier ça, j'en ai pour quelques zooms. À tout de suite. Donc voilà, ma raille est finie. Je sais pas si vous avez fait une raille ou quoi. Donc vous voyez ma belle raille, elle est belle, elle est belle, elle est là. Donc maintenant, vous allez la mettre dans votre texture pack. Donc, attendez, bien, très le retour Windows, merci. Donc, normalement, hop, je vais mettre ça sur l'écran que vous voyez, parce que sinon, ça sert à rien. Donc, vous allez dans vos listes des textures pack, vous ouvrez votre texture pack, vous cliquez sur Assets, Minecraft, et là, normalement, vous avez que texture. Donc, vous créez un dossier modèle, M-O-D-E-L. LS, sans, faut pas oublier le S. Donc vous l'ouvrez. Vous allez créer un autre dossier qui s'appelle bloc. Et après tout va être enregistré là-dedans. Donc là, vous allez retourner sur Alt Model Creator. Vous allez faire File,
Save was. Là, vous allez dans ressources pack. Hop, asset, Minecraft, modèle, bloc. Voilà. Et là, vous allez l'enregistrer avec le bon nom que vous avez récupéré. Donc là, moi pour ma part, ça sera Riley Golden. Enregistrer. Voilà. Je vais aller sur Minecraft. Je vais mettre mon texture pack. Hop. Et je vais vous montrer après comment faire la couleur ici, là par exemple. Hop. Mais merde, j'ai mis le mauvais texture pack, je suis con. Je suis con. Putain, fuck! J'ai mis le mauvais texture pack. Le mauvais texture pack. Et rebelote. Excusez-moi si la vidéo est un petit peu longue, mais bon, faut bien ça. Donc, les Powered Rail. C'est Powered Rail. Du coup, ça se trouve, ça va pas marcher. Non, voilà, ça n'a pas marché. Parce que, par contre, faut garder l'ID qu'il y a dans le truc. Donc là, c'est Powered Rail. Donc, par exemple, vous êtes gouré. Non, c'est pas grave. Faut pas retourner sur le logiciel, machin. Moi, c'est. Voilà, j'ai mis Rail Golden. Hop, on va faire. Attendez. Juste le mettre là. Hop, me faire clic droit, renommer. Et ça s'appelle Powered Rail. Faut pas mettre des espaces, faut mettre les tirets du bas, là, du 8, là, les tirets du 8. Donc c'est Powered Rail. Hop. Voilà. Maintenant, hop, on pète ça. Oui, les textures, c'est normal que ça marche pas. Puisque ça foirait. Hop, faut mettre les textures des rails sur toutes les rails, sinon ça marche pas. Hop, donc machin. Hop, 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 hop. Et ça marche pas très bien. C'est peut-être à cause de ces rails de merde. Ou parce que je me suis gouré dans le nom, en fait. Attendez, je crois savoir. Parce que regardez. Pour les rails simples là-bas. Vous voyez, c'est écrit Rail. Mais en fait, si vous mettez Rail, c'est de la merde. Dans le dossier texture, ça s'appelle Rail normal. Mais c'est de la merde en fait. Faut mettre Rail flat. Parce que flat en anglais, c'est plat. Parce que regardez, je ne l'ai pas texturé en montant. Du coup, ça, en montant, c'est tout plat. Vous voyez? Vous voyez? Du coup, je pense que faut mettre Powered Rail. Renommé. Pourquoi j'ai mis une majuscule là? Faut pas mettre de majuscule. Powered rail.flat. Voilà. Et j'espère que ça va marcher. Et si ça marche pas, eh bah fuck. Eh bah fuck. Mais comment ça s'appelle? Après, c'est juste dans le nom. Après, c'est de la merde. Ouais, en gros, ça se trouve, c'est à cause de l'autre texture de merde là-bas. Excusez-moi pour le bruitesse. En gros, ça doit être à cause de l'autre texture là-bas, ou c'est parce que c'est. Où je me gourre dans ce nom de daube. Et si j'essaye. Attends, c'est. Attendez. C'est. Golden Rail. Golden Rail. Lady, c'est Golden. Non, non, attendez. Et si on essaye. Renommer. Ici, excusez-moi pour le bruitage encore. Golden Rail. Point flat. On va essayer. Et si ça marche pas, bah, fuck. Mais normalement, ça marche. J'ai fait ça pour tous les autres blocs. Donc en fait, c'est juste dans le nom. Voilà. 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 C'est beau. C'est magnifique, hein? C'est beau, les copains. Donc, pour les rails normales, pour les raids power et de rails de double, c'est Golden Rail Flat. Et regardez, si j'essaye de le faire en montant, ça fera de la double. Parce que je l'ai pas fait en mode montant. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Attendez, je vais essayer de dropper un item que j'ai pas texturé en 3D. Mais si, quand même. Très bien, voilà.
Bon, par contre, la texture là, faudrait peut-être que j'ajoute un truc pour que ça fasse mieux connecté. Mais ce n'est point grave. Donc, comme je pense que vous avez compris, donc c'est cool. Donc, tous les liens de téléchargement sont dans la description. J'essaierai de vous mettre ce pack de textures dans la description. Ah oui, puis je vous avais dit que je vous montrerai comment écrire en couleur là. Ou modifier du moins ça. Donc, normalement, vous allez là. Ici, pack, vous faites clic droit. Edit with Notepad plus. Grue-toi. Allez, Titi dépêche. Attendez, pendant que ça s'ouvre, moi j'ai mis quoi? Faceful, bah y'a IP, ok, t'as bien. Est-ce que, hop, on va fermer ça. Donc, notre passe plus, il est là. Donc, c'est ici, pack, format, machin, description. Voilà, donc c'est ici. C'est ici qu'il faut changer. Je vais essayer de mettre de la couleur. Les couleurs, on fait par exemple et. Et par exemple, on va dire, je vais écrire en jaune. Donc, je vais mettre. Ressources pack 3D-test. Voilà. Voilà. Hop. On enregistre. J'espère que ça a bien enregistré. Maintenant, si on l'ouvre avec bloc-notes du simple. Ressources pack. Hop, oui, ça a bien marché. Attendez, je vais vous montrer. Hop, ça a bien marché. Hop, ressources pack, hop, machin. On est bien là. On les rime à jour. Hop, ressources pack, et ça a pas marché. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, je l'avais déjà ouvert. Merde, je l'avais déjà ouvert. Ici, ça. En fait, faut pas l'ouvrir avec bloc-notes. Parce qu'au début, je l'avais ouvert avec bloc-notes. Donc ça n'a pas marché. Et ici aussi. Mais j'espère qu'ils sont pas tous ouverts avec bloc-notes. Merde. Donc si je fais. Si je fais. Je fais. Non mais hop, tu sélectionnes ça. Et tu. Oh. Et un chat par défaut, machin. Il me le fout quoi si je lui demande avec le chat par défaut? Ok. Ok, t'es bien. Ok, t'es bien. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, très bien. Là-dedans. Fichier MC Meta. Alors attendez, on va aller là. On va aller dans Texture Pack. Et si vous me dites qu'ils sont tous ouverts avec machin. Merde. Merde, du coup, ils sont tous ouverts avec. Attends, et si je fais ça? MC Meta. Je peux pas faire renommer. C'est de la daube. C'est de la daube. Faire ça, clic droit, ah si, renommer en point MC Meta. D'accord, en fait c'est de la double. Bon, mais en fait je sais pas, ça marche pas très bien. Mais dans ce cas-là, normalement ça vous met un dossier blanc. Vous faites clic droit, ouvrir avec Notepad et vous modifiez. Voilà. Donc, je vous ai montré ça. Maintenant. Moi je suis sur un serveur Minecraft où je suis architecte dessus. Le serveur va subir une grosse modification, etc. Mais en fait, c'est pas que un serveur Minecraft, c'est toute une communauté qui s'appelle Dargame. Donc je vais vous montrer le TeamSpeak tout de suite. Hop, voilà. Donc, hop, on va aller tout en haut. Donc vous voyez, c'est un serveur StarMade, Minecraft, EnterNed, qui va passer en normalement 3.0. Life is Feudal, je connais pas tous les jeux. Un peu Team Fortress, du Natural Selection 2, je connais pas tous les jeux. Et puis là après il y a plein de channels pour d'autres jeux, où il n'y a pas forcément. Que eux ils n'ont pas forcément de serveur 7D machin CSGO Dota Garry's Mod Smite Left 4 Dead League of et plein de petits autres jeux
Donc voilà, je vous mettrai le lien du TeamSpeak dans la description. Donc je vous invite à venir. Et puis voilà. Si vous êtes. Oui, on cherche aussi un codeur pour Minecraft pour créer un plugin. Voilà. Donc si vous êtes codeur en Java, vous savez créer des plugins, etc. Vous êtes les bienvenus. Vous me dites ça dans les commentaires. Et puis voilà. Donc, sur ce, les gars, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas sur quoi encore. J'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'avais pas l'inspiration, j'avais pas la motivation, et puis je sais pas trop quoi faire, et puis je suis quand même au BE, donc j'ai le brevet, etc. Donc faut pas dire qu'on est, ok? Jouer c'est bien, mais travailler aussi c'est bien. Enfin, je m'en fous, mais chut, tu vois, faut faire genre. Bon, allez, c'est tout, les gars. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike pour que je sache. Si vous avez des problèmes avec le logiciel, vous n'avez pas le téléchargé ou même les textures ne marchent pas, etc. Postez tout ça dans les commentaires, c'est tout simple. Et puis voilà. Donc je vous dis rendez-vous à la prochaine. C'était Darkwell. Ciao les potos.